Moi, je pense que ça entraîne une modification du champ d'intervention du travail social et une modification de sa temporalité. C'est-à-dire qu'on connaît l'urgence sociale, on connaît la temporalité de l'insertion. Mais aujourd'hui, avec le nombre important de personnes en situation de rue, il y a comme une massification de l'accueil, voire une massification parfois de l'accompagnement social. Et donc, il y a une troisième temporalité pour moi qui s'inscrit en France dans le travail social, qui est celui de l'humanitaire. Pour moi, ce n'est pas au niveau de la cohérence du travail social qu'il faut chercher. C'est au niveau de la cohérence des financements pour faire le travail social. On peut bien sûr faire de la rationalisation, dépenser moins, mais il y a toujours un moment, un point de rupture, voire un point de lassitude. À force de baisser les subventions, on rend incohérent la manière de pouvoir travailler les dispositifs et le travail social. Donc voilà, cette réponse est plutôt comment renforcer la cohérence des financements.